Hop. Oh, bijou. Bonjour, je cherche le bureau du patron. Patron, son bureau, il est là-bas. Là-haut, là ? Ok, merci beaucoup. Ah bah ça y est, je l'ai trouvé, le patron. Le voilà. Bonjour, Yvan. Bonjour. Ça va bien ? Ça va très bien. En fait, vous avez des parcs partout devant, là. Oui, ben là, vous commencez à voir, parce que bon, on est en pleine morteau maintenant, mais on commence à voir les parcs qui ont découvert. Et là, ce sont nos parcs spéciales. Alors, depuis 3 ans, on parle beaucoup de l'ostréiculture française, qui est touchée sur toutes les côtes, hein, Méditerranée, Atlantique, Manche, Mer du Nord, par un virus qui décime les parcs. On a l'impression que les scientifiques là avancent un petit peu. Où est-ce qu'on en est exactement ? Écoutez, s'ils avancent, on ne sait pas trop, parce qu'ils n'en parlent pas beaucoup. Ce qu'on sait, nous, en tant que producteurs, c'est qu'il faut continuer, nous, à avancer, c'est-à-dire remplir nos parcs, parce que si on ne met rien sur nos parcs, on n'aura rien à vendre. Oui, il n'y aura pas de production. Et là, on arrive vraiment dans la grosse saison avec les fêtes de fin d'année. Oui, et donc nous, on a comblé tous les trous en achetant des huîtres, plus d'huîtres pour avoir des huîtres pour les fêtes. Donc des fêtes, elles seront correctes cette année. Et il y aura des huîtres sur les tables. Nous, on aura des huîtres. Merci beaucoup. Alors, c'est pas la première fois que les parcs français sont touchés par une maladie. Il y avait eu une épizootie il y a une quarantaine d'années à peu près. Et ce sont les ostréiculteurs japonais de la région de Sanriku qui étaient venus au secours des Français. Alors, après le tsunami d'il y a quelques mois, eh bien, certains ostréiculteurs français sont allés là-bas pour aider les Japonais. Voici donc Okaishi, le cadeau en retour, signé Christophe Bourges. Mars 2011, le tsunami frappe le Japon de plein fouet. Dans la région ostréicole de Sanriku, au nord-est du pays, des centaines de personnes sont emportées par la vague géante. Et tous les parcs à huîtres sont ravagés. Été 2011, le visage de Patrice Mulot apparaît à la une du journal télévisé japonais. En Charente-Maritime, Patrice est spécialisé dans les équipements de parcs à huîtres. Il a apporté avec lui 5 tonnes de bouées de cordage, indispensables pour le captage des naissains. Je me suis rendu sur la zone sinistrée du Sanriku avec toute l'émotion que ça suscite de voir les ostréiculteurs extrêmement surpris et contents de voir le matériel français leur sauver un peu la mise, c'est le cas de le dire, pour redémarrer l'ostréiculture de cette région. Il y a 40 ans, l'huître française est décimée par un virus. Et ce sont les huîtres japonaises qui ont sauvé notre littoral. 2011 sonne donc comme l'année du cadeau en retour. Au Japon, les naissains d'huîtres sont fixés sur une corde, comme sur un bouchot, et grandissent ainsi pendant 2 ans. Ce qui donne des huîtres beaucoup moins charnues que les nôtres. Suite au voyage de Patrice Mulot, une délégation japonaise a décidé de se rendre en Charente-Maritime pour découvrir la culture de l'huître à la française. Au fond, on voit les bateaux, donc ces bateaux en aluminium qu'on construit, et qui se déplacent sur les lieux de production d'huîtres. Fin février 2010, on a eu la tempête Xintia dans notre région. Et à ce titre-là, je ne peux encore mieux comprendre leur désarroi et le fait d'avoir tout perdu, ce que ça représente pour nous. Le système des parcs à huîtres de Marennes-Oléron est une surprise complète pour les ostréiculteurs japonais. À marée basse, les tables de culture apparaissent. Ils n'ont jamais vu ça. L'huître à la française a très bonne réputation. Monsieur Abbé s'intéresse de près à cette façon de faire, lui qui a été frappé de plein fouet par le tsunami. Je n'ai plus rien. J'ai tout perdu. Mon matériel, mes huîtres, mon travail, ma maison. Mais heureusement, ma famille est toujours là. C'est le plus important. Depuis toujours, et comme me l'a appris mon père, j'ai élevé les huîtres en les assemblant sur une corde. Je ne pensais pas qu'il existait un autre savoir-faire ailleurs dans le monde. Suite de la visite. Au Japon, l'huître française, c'est le nec plus ultra, comme un foie gras de la mer. Chez eux, ils ne servent jamais les huîtres dans leurs coquilles. Donc ils sont là pour apprendre ce qu'ils considèrent comme un petit plus de raffinement. Ça, c'est la première année du cycle de l'huître. Et en 3 ans, donc on arrive à une huître comme ça en poche.
la façon de cultiver les huîtres au Japon est totalement différente. Elles récupèrent la chair directement, ils ouvrent l'huître à même la mer, pour récupérer la chair, et ensuite la chair est traitée comme une matière agroalimentaire. Alors que nous, en France, on va travailler les huîtres le plus tôt possible, très petit, pour accompagner leur croissance jusqu'à la taille marchande et vendue en coquille, et le marché français. L'huître en coquille, ça permet d'avoir une huître de qualité, qu'une huître décoquillée, comme avec leur mode de production, ils ne peuvent pas avoir une huître charnue vraiment de qualité. Voilà. C'est la différence qu'on a avec eux. Et puis voilà, si ça peut les aider dans le futur, on a plus à y gagner en collaboration qu'en étant différent. Voilà. Si on en est arrivé là et qu'on puisse leur faire manger des huîtres aujourd'hui, c'est grâce à eux parce qu'ils nous ont aidés en 70, quoi, dans les années 70. Donc ça finalement, c'est à cause de leur pays. Enfin voilà, c'est l'échange qu'il y a eu dans les années 70. Là, et là, voilà. Et là, aujourd'hui, c'est donc Okaichi en japonais, le cadeau en retour. Les Charentais se démènent pour que l'archipel nippon reparte sur le bon pied avec de nouvelles méthodes. C'est la solidarité des antipodes. Leur région est une région sanctuaire de l'huître mondiale. Ils ont réussi dans les années 70 à nous remettre en selle alors qu'on est de très bonnes, très très mauvaises situations. On a aujourd'hui un problème de mortalité auquel on n'a pas la réponse. Si ça se trouve demain, de les aider aujourd'hui va nous sauver demain. Je suis vraiment reconnaissant de l'aide apportée par la France après le désastre du tsunami. Ce que je ressens, c'est une immense gratitude et je n'ai d'autre choix que de m'incliner. Ça se refuse pas, hein. Là combien ça? Ça c'est numéro 1. Numéro 1, très bonne. Alors on va retrouver maintenant notre série des lettres maritimes, dernier numéro de la saison, dernier numéro des lettres maritimes. Et c'est Georges Sand qui part visiter ce qu'on appelait alors la tour de Cordouan, pas le phare, et qui écrit à sa mère.